Le marché parisien reste ancré dans le rouge ce midi, mais préserve les 4800 points. Et gros repli pour le titre Gemalto ce midi, qui chute de plus de 6%, plombé par une affaire de piratage informatique. Moins 2% pour Aéroports de Paris, qui a pourtant fait état d'une nette hausse de son résultat net l'an dernier. Très gros rebond à l'inverse pour Eramet, le titre s'envole de près de 9% après la publication de résultats 2014 en voie d'amélioration. De Richebourg s'adjuge de son côté plus de 3%. Le groupe a fait part de l'acquisition de deux petites sociétés. Notre gros plan sur Danone, qui a publié des résultats plutôt solides en 2014 et qui a annoncé un dividende un peu plus élevé que prévu à 1,50 €. Le résultat net courant, lui, est ressorti à 1,6 milliard d'euros, en hausse de 3,6% en données comparables. Mais ce sont les perspectives pour 2015 que sanctionne le marché, avec un titre qui abandonne 2,5% ce midi. Pour l'exercice en cours, Danone vise une croissance de ses ventes comprise entre plus 4% et plus 5% à données comparables, ainsi qu'une marge opérationnelle en légère progression. C'est la fin de ce flash, vous avez rendez-vous à 18h pour le point de clôture.